Bon, j'ai un petit coup de gueule footballistique, là. Arrête mon trou du cul, par hasard ! Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René ! Autant les supporters de Marseille qui veulent le PSG, je m'en bats les couilles. Ok, c'est normal, c'est le jeu. Les mecs supporters de Marseille avec un jogging Dortmund et avec un maillot Real de Madrid qui viennent nous faire des vannes, ok, pourquoi pas, tu vois. Des fans de Lyon qui viennent nous se moquer de nous, ok, bon voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le sport, c'est le football, ok. Mais alors, ceux qui font des vannes sur le PSG, alors qu'ils connaissent rien au football, tu sais, c'est le genre de gars qui disent, dis donc, le PSG, il a perdu. Bah non, il a pas perdu, putain, mais comme tu t'en fous du football, tu sais pas. Voilà. Oui, mais de toute façon, Neymar, il est nul. Neymar, il est plus au PSG, putain. Tu sais, c'est juste des gens. Ils ont une blague facile qu'ils ont entendu à Rire et Chanson. Ils veulent faire le malin. Ils sont là, alors le PSG, parce qu'ils ont rien d'autre à dire dans leur vie. Mais quel enfer! Est-ce que je viens de casser les couilles sur ton boulot de merde? Ben non, parce que j'y connais rien de ton métier. Tout le monde s'en fout. Alors laisse le PSG tranquille, ok? Non, mais moi, je suis pour qu'on se vanne entre nous. Mais tu vois, entre supporters de foot, tu vois. Bon, même si quand t'es fan de Monaco, t'es pas fan de foot. T'es fan de pas payer les impôts. Et en fait, les pires, c'est ceux qui veulent venir voir le match avec toi. Tu sais. Ils veulent venir avec toi voir le match de foot. Ils y connaissent rien. Ils connaissent à peine les règles. Ah, c'est ça, hors-jeu. Ok. Mais ils sont nuls, le PSG. T'y connais rien, putain. T'y connais rien. Tout ça parce qu'ils ont rien d'autre à foutre de la journée. Et ils viennent te casser les couilles au bar. Non, mais c'est un truc de dingue. Laisse-moi aller au bar. Tu sais, c'est les mecs en réunion de famille aussi. Comme on n'a rien à se dire parce qu'on est en famille, il a ah tiens, je vais lui parler du PSG, j'y connais rien, mais ta gueule et bouffe ta choucroute. Est-ce que moi je te parle de ta femme qui est moche? Eh ben non, alors me casse pas les couilles avec le PSG. Ok, ton gamin qui commence à bouffer son caca, est-ce que je lui casse les couilles surtout qu'il a 12 ans et qu'il faut qu'il fasse gaffe? Bah non, alors me casse pas les couilles. Ok, voilà. Oui, le PSG, on a été ridicule pendant des années, même si on s'est fait voler en 2017, mais on a été. T'es ridicule sur d'autres matchs. Ok, j'accepte les vannes de tous les mecs là, machin. J'ai oublié. Les mecs qui sont supporters, je sais pas, de Marseille, de Monaco, mais tu sais, pas vraiment supporters, tu vois. Ils juste, ils regardent le match comme ça un peu de loin, tu sais. Et puis voilà, ils arrivent, ils se réveillent, le PSG a perdu, c'est des codes. Mais tu suis pas le foot, ta gueule, laisse-moi tranquille, en fait. Tous ces gens-là, c'est des gens qui comprennent pas que quand on est supporter d'un club, on est supporter à la mort. Moi, j'aime pas le foot. Je regarde même pas l'équipe de France de football. J'en ai rien à carrer. Il y a que le PSG. Moi, j'aime pas le foot. C'est le PSG. Je vais pas regarder Manchester, Real 2. J'en ai rien à foutre. Vraiment, mais... Tu vois, c'est ceux qui aiment bien un peu le foot, un peu un club. Ils se disent, tiens, j'ai supporté Marseille, Lille ou je sais pas quoi, parce que je vais essayer d'appartenir à une équipe parce que j'ai pas d'amis, tu vois. Et là, ils vont venir te casser les couilles. Mais putain... Tu supportes à peine ton club. Et le pire, c'est ceux qui supportent, je sais pas, Strasbourg et le Bayern Leverkusen. Tu supportes pas deux clubs, en fait. T'as des clubs amis, ok, mais tu supportes pas deux clubs. On a ceux, bien sûr, qui supportent une équipe étrangère. Alors ça, c'est... Alors, il y a ceux qui... certains, ok, ils supportent une équipe étrangère, mais ils ont vécu un peu à Madrid, au Barcelone. Mais tu sais, le mec qui habite à Clermont-Ferrand et qui est supporter du Real de Madrid... qui a jamais foutu un pied en Espagne, qui a même pas les tapas, il vient commencer à me dire, ouais, nous, on est... Ta gueule, en fait. Tu supportes Clermont, il me pète pas les boules, putain. Mais respecte-toi un minimum. À la limite, le mec est Clermont-Ferrand, il supporte Brest, je trouve ça presque logique, ok? C'est aussi moche les deux villes, ok? C'est des mecs qui veulent juste supporter les clubs qui gagnent. Et ça me vénère. Alors vous allez me dire, qui supporte le PSG? Moi, mon pote, je supporte le PSG depuis 94. Ah! Là, j'ai un maillot de Clément Chanteau, mon pote. Ah bah attends, et Chantôme, je peux te dire qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Deux secondes sur Chantôme. Chantôme, il a vécu, là, on a failli descendre en D2. Et il a vécu le début des Qataris. C'est mon idole, Clément Chantôme. Ah, et j'ai oublié aussi, il y a les anti-quelque chose. Enfin, par exemple, les anti-PSG. Alors les mecs anti-PSG, ils ont le maillot du Real de Madrid, de Barcelone, ils ont Dortmund, ils ont même la Real Sociedad, ils savent pas où c'est, ils savent même pas où ils sont joués. Mais comme ils ont joué contre le PSG, ils ont acheté le maillot, ils disent « Ah moi je suis pas la Real Sociedad, Bamos !» Alors qu'on dit même pas Bamos, c'est des basques, enculés. Ah puis aussi, il y a l'ancien supporter. L'ancien supporter, c'est pas l'ancien supporter, le mec, c'est le mec qui connaît son club, mais que genre 95 à 2000. Voilà. Le mec a que des vieilles références. Depuis les années 2000, il a plus regardé les matchs parce que bah, il a une vie de famille. Il a autre chose à foutre qu'à regarder les matchs de foot le week-end, tu vois. Ce que je peux comprendre, ok, hein, il faut nettoyer les fesses de ses enfants et leur faire comprendre que la vie, c'est de la merde. Mais ces gens-là qui t'arrivent, ils disent, ah, moi, je suis supporter de Bordeaux parce que je me rappelle la belle époque avec l'Aslande, tout ça. Et là, tu leur demandes, et du coup, ton club, là, en D2, tu t'en penses quoi, machin? Ben, il dit, oh, je regarde plus, moi. Oh, ça m'a énervé. J'ai envie de les affûter et en faire des pipeaux, mon pote. C'est infernal. Moi,
j'aime le supporter où on se vanne parce qu'on aime ce qu'on fait, tu vois. Et le respect, bien sûr, le recul. Pas le supporter Twitter qui insulte de nique sa mère, n'importe qui, ça c'est ridicule. Mais ton pote, tu le vois dans la vraie vie, qui supporte de Marseille, toi Paris, ça se vanne alors, ça a perdu, machin, mais on rigole parce que c'est ça qui est important. Mais surtout, on rigole avec des gens qu'on s'entend, tu vois. On a envie de... Tiens, t'as envie de rigoler. Les gens qui sont là, qui vont se faire chier à regarder sur leur vieux téléphone portable quand ils sont dans une soirée de merde. Voilà, moi je vous aime les supporters. Eh, je vous adore. De toute façon, sans supporters, y a pas de club. Mais ceux qui te cassent les couilles, alors qu'ils disent que, voilà, partez loin, partez tous à l'île de Ré, et me cassez pas les couilles, ok? Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Allez, bon courage les pauvres, et allez Paris.